qu'aucun sorcier n'ait accès à toi. Ton intelligence soit sourde à l'école. L'intelligence, la sagesse s'attache à toi. Et c'est la force spirituelle qui a ta vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Vous avez programmé la mort. Jésus est venu pour mes défenses. Briapa, vous m'avez lancé un défi. Briapa, Nagi, Ogiyo, Yanazaï, Briapa. Atolaka, Oyanazaï, Briapa, Nagi, Oyanazaï, Briapa. Jésus, Oyanazaï, Briapa, Nagi, Ogiyo, Yanazaï, Briapa. Atolaka, Oyanazaï. Papa, je déprogramme l'accident sur ta vie. On a joué tout ça, tu as dit ça. Je déprogramme l'accident sur ta vie et je te remets ton argent au nom de Jésus. Amen. Tu marches au nom de Jésus. J'annule toute programmation de mort. Je détruis toute programmation de mort. Sur la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. J'annule la pauvreté, l'instabilité dans ta vie. J'annule tout ce qui est lié à la Seigneur. La puissance de Jésus se manifeste maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus, en prenant ton âme et ton esprit qui nous dans le Seigneur, je proclame la puissance de Jésus-Christ sur ta vie. Tes finances reviennent maintenant au nom de Jésus. La victoire sur tous tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Merci pour la manifestation de ton règne au nom de Jésus. Amen. 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 Jésus, oh, Yanazaï,
Atalayo, Briabara Gio, Oyanazayo, Briabara, Ato Jesu, Oyanazayo, Briabara Gio, Oyanazayo, Briabara, Lago, Oyanazayo, Briabara Gio, Oyanazayo, Briabara. Elle a fait les aveux, c'est pas ça? Ok. Dieu dit de prier pour elle, c'est pas ça? Mais après les aveux, il faut qu'on prie pour elle. Parce que les aveux ne suffisent pas. Elle peut faire des aveux, elle peut continuer la sorcellerie. Pourquoi? Parce que le démon doit être chassé de sa vie. C'est un démon, c'est un esprit. Amen. Elle a fait des aveux. Tu veux laisser la sorcellerie? Pourquoi? Quand ça se manifeste, maintenant derrière, c'est là-bas, ici, nous avons le secteur où on fait le mur de Jéricho. Tu veux laisser? Pourquoi? Pour le Seigneur Jésus, lève-toi. Je t'accepte aujourd'hui. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui. Comme sauveur. Comme sauveur. Le Seigneur. Seigneur. Personnel. Personnel. Entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Et fais de moi. Et fais de moi. La personne. La personne. Que tu désires. Que tu désires. Que je sois. Que je sois. Pardon tous mes péchés. Pardon tous mes péchés. Merci. Merci. De m'avoir accepté. De m'avoir accepté. Amen. Amen. Tu as accepté Jésus. Ça, c'est intéressant, c'est la première condition. Le miracle va suivre maintenant. Parce qu'il a envoyé sa parole, il est guéri. Tu quittes sa vie, démon. Esprit de la sorcellerie. Tu vas quitter sa vie. Tu quittes 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 sa vie. Je monte de sorcellerie. Je monte de sorcellerie. Je monte de sorcellerie. Je monte de sorcellerie. Je vais quitter sa vie. C'est un an. Il va partir. Il quittera sa vie. Il va quitter sa vie. Il va quitter sa vie. Il va quitter sa vie. Sors! Inès, viens, viens,
Viens. 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 Qu'est-ce que tu as vu? Où s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et puis après? Voilà le but. Et quelque chose est parti de toi. Est-ce qu'on peut acclamer le but? Elle avait. Oui, je ne pas de lui. Si elle avait seulement fait des aveux, que l'esprit ne quittait pas sa vie, elle est encore sorcière. Et c'est là que les gens n'arrivent pas à réussir la délivrance des gens. D'autres m'ont dit non, il faut te délivrer toi, mais ce n'est pas possible. On peut pas délivrer, le sorcier ne peut pas se délivrer lui-même. Après les aveux, il y a l'étape de chasser le démon. Parce qu'il est possédé. Ça veut dire qu'il y a ta volonté qui est liée. Il y a un démon qui est là et qui te pousse à la sorcellerie. Amen. Amen. Hein? Mais bon, donc, maintenant, on va la faire prêter serment. Voilà. On dit que si elle retourne à la sorcellerie, il y a trois étapes. Il y a les aveux. On a brisé tout à l'heure, on a chassé le démon. Maintenant, elle ne va prêter serment devant Dieu. Si je retourne à la sorcellerie, c'est pas juré. Les magistrats, quand ils finissent, ils prêtent serment. Le président de la République, quand il répond, il prête serment. C'est pour ça qu'un président viole, il lui mange l'argent, il dit, j'ai servi le peuple, qui toi qui sers ton ventre, tu finis mal. Parce qu'on ne viole pas le serment. On ne rend pas le serment, c'est devant Dieu. Et quand elle-même dit, devant Dieu, je prends l'engagement de ne plus retourner à la sorcellerie. Si je retourne, Dieu, chaque mois, c'est même une question de crasso. C'est elle-même et Dieu. Amen. Donc le jour où elle retourne, c'est fini, c'est chaque mois de Dieu qui va s'abattre. Parce que la Bible dit comme c'est mon corps de Dieu, ce qui nous aura semé, il le moissonnera. C'est une sémence. Parce que la parole est une sémence. Quand elle va prononcer ça, c'est fini. Ça sera comme ça sur sa tête. Le jour de la sorcellerie, vous-même, vous allez constater. Amen. Amen. J'ai déjà vu les sorciers que Dieu a châtiés comme ça. Qui ont fait pratiquer sémence, qui ont retourné la sorcellerie, Dieu les a tués. Quand c'est fait comme ça, c'est fini. Laissez la personne. N'ayez pas fait la personne. Lorsqu'elle retourne, Dieu, c'est elle et Dieu maintenant. Amen. Amen. Et ça la sécurise, et puis ça vous sécurise. Parce que le jour de retour à la sorcellerie, c'est fini. C'est qu'elle a prononcé là. Ça agit ici. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Allons-y. Lève ta main droite. Devant Dieu les hommes. Allons-y. Devant Dieu devant les hommes. Le jour où je retourne encore dans la sorcellerie. Et que Dieu me châtie. Non, t'es tu. Et que Dieu me tue au nom de Jésus. Si tu répètes la carrière, tu fais comme ça. La Bible dit que c'est ta parole qui te condamnera et ta parole te justifiera. Nous croyons, nous avons foi que tu as changé, que tu vas abandonner la société. Mais le jour où tu verras cette parole, parce que la Bible dit que c'est ta parole qui te condamnera et te châtiera, le jour où tu retournes dans la société, que cette parole qui vient de prononcer, ce jugement-là s'abat sur toi. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. C'est fini les délivrés. Acclamez le Seigneur. Vous devez l'aider les parents. Ça dit quoi? Vous devez l'aider psychologiquement. Vous devez voir pas Inès, c'est la Inès, non? Pas comme sorcière, mais comme délivrée. Oui. Parce qu'elle aussi a besoin qu'on la rassure. Il faudrait que elle soit dans une atmosphère où les gens croient en elle. Si on ne croit pas en elle, vous allez la replonger psychologiquement. Ça veut dire qu'elle ne va pas retourner à la sorcellerie, mais elle sera toujours frustrée. Donc les parents maintenant doivent jouer un grand rôle de croire en elle. Ça veut dire que si elle retourne, vous allez voir le châtiment de Dieu. Ça. Ne voyez pas sourire, vous allez voir Inès en même temps. Ah, c'est Inès. Ça, c'est Inès, j'ai vu. Non, c'est du passé. Amen. Amen. Le petit là, son papa le voyait marcher. En rêve. La fille de Paris, son papa le voit marcher. Il me dit, mon fils là est parti dans la zone. Il dit, non. C'est vrai, tu ne crois pas qu'il est délivré. Il dit, hein, c'est vrai. Quand il le regarde comme ça, il ne croit pas qu'il soit délivré. Donc le gars le voit marcher. Il dit, ah, il gagne tout le fils de poussière. Ah. Il dit, il est délivré. Il ne croyait pas. Non, moi, je l'ai envoyé ici moi-même. Il n'a qu'à venir fréquenter ici. Je vais veiller sur lui. Parce qu'il a besoin de vivre. Il doit marcher des gens qui croient en lui. Donc il a ici, il délivre aussi. Quand il dit à son père, il dit, c'est vrai.
et qu'on va prendre lui. C'est ça le problème. Vous nous envoyez des cas de possession. Après ça, vous ne croyez pas aux enfants. Vous ne croyez pas qu'ils sont délivrés. Vous les voyez toujours en sorcier. C'est quand tu es sorcier, tu crois ça. Quand il est délivré, tu ne crois pas. Et comme ça, ce n'est pas bon. Il faut les protéger aussi. Il faut aussi les rassurer. Il faut aussi les aider à pouvoir conserver leur délivrance. Ils ont aussi besoin de ça. Parce que déjà, la sorcellerie est partie, c'est un esprit. C'est la possession. Maintenant, là, elle doit vivre sa vie chrétienne. Il faudrait qu'on encadre. Tu as compris? Il doit aller à l'église. Nous allons veiller là-dessus, puisqu'on a les numéros de tes parents. Nous allons veiller là-dessus. TRD. Tu dois retourner la vie. Ça, c'est le passé. Un homme doit avoir un passé. Un homme doit avoir un passé. Je pense que c'est un passé. Si tu as tué Dieu, que Dieu t'a aimé, Dieu t'a aimé, tiens. Dieu t'a aimé. Je pense même que tu dois aussi avoir un passé. Il faut prouver aux gens que tu as un passé. À l'école, il faut travailler. Tu as de l'avenir devant toi. Tu as toute notre bénédiction. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. On a ici quelqu'un? Voilà. Tu as dit que tu as parlé. Tu as dit quoi? Tu es quoi? Hein? Hein? Comment tu es sorcier? Comment tu es sorcier? Faut parler fort, hein? Oh, si vous en c'était. Tu es quoi? Je suis sorcier. Comment? Comment? Eh, hey, tu dis t'as parlé, comment tu es sorcier? Parle fort, hein? J'étais enfant. Hein? Parle fort, parle fort. Parle fort. C'est parce qu'il faut parler comme tu... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, moi. Maman partait chercher de l'eau. Maintenant, quand le monsieur est venu là, maman lui a confié tout là, ma nourriture là. Maintenant que maman est partie, il a mis tout, mais comment dire, il a tourné sa cuillère et puis m'a donné. Maintenant, après, là, je suis devenu sorcière. Maintenant, il m'a dit que de programmer ma maman. Puis il est programmé. Il a attaché dans une lampe. Il a dit que de garder l'un de maman aussi aller. Quand je dis maman me donne l'argent là, c'est le canari même ça. Et puis ça devient 5 en poids. Il a dit que de garder l'un de mon corps aussi. Mon père me donne l'argent, c'est le canari même ça devient 5 et puis on poids. Et puis il a dit que le jour que maman va faire un enfant là, que son enfant, elle n'a qu'à mourir. Et puis ma grande soeur aussi. Donc, ta maman ne doit pas faire enfant. Je ne veux pas maman va faire enfant. Qu'est-ce que maman fait enfant là? Le bébé, elle n'a qu'à mourir. Mais qu'est-ce que, comment vous êtes beaucoup là-bas? C'est ta bouche qui parle ou c'est ta tête? Vous êtes nombreux là. Vous êtes combien? 6. Toi, tu joues quel rôle là-bas? On va pour tuer les gens. On doit pas pour tuer. Comment tu fais pour tuer? La nuit, quand maman dort, il me transforme et puis il rentre dans sa vie. À part ta maman, tu dis tu tues les gens. Comment tu vas tuer les gens? J'ai tué ma camarade, j'ai tué 3 personnes. La première, c'est ma camarade. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Emmanuela. Comment tu l'as tué? Un jour, je suis parti chez elle là-bas pour jouer. Maintenant que je suis allé chez elle là-bas pour jouer là. Maintenant, elle était derrière moi. Maintenant, quand il a dit qu'il arrive, mais puis c'est plus, je suis revenu. Maintenant, il a parlé, il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas mourir. Puis il a pris son âme là, si tu partais avec ça. Puis ils l'ont tué, puis on a mangé ça. Ils m'ont donné le bras et le pied avec le cœur. Maintenant, après, il a monté un camarade qui s'appelle Emmanuel. Un jour, il passait maintenant, moi, il passait aussi. Maman m'envoyait. Maintenant, quand il partait là,
Il a fini, il est parti à la maison maintenant. Il a dit de venir l'accompagner. Il dit, c'est ça, tu veux que tu t'accompagnes? Il est parti avec toi maintenant. Il était devant moi, il était derrière. Maintenant, il a parlé. Il a dit que, Emmanuel, à partir d'aujourd'hui, tu vas mourir. Et on va te prendre pour manger. Quand là, il a pris son âme, je suis parti à ça, dans notre camp là-bas. Et puis, on a tué ce qu'on a mangé. Après, la troisième personne, elle s'appelle Sarah. Un jour, c'est la même chose aussi pour le garçon-là. Un jour, elle partait, puis maintenant, il est croisé. Il dit, elle n'est pas venue m'accompagner. Maintenant, quand elle est venue m'accompagner, là, elle était derrière nous. Moi, j'étais devant. Maintenant, il dit, courons, parti. Elle voulait partir à la maison. Maintenant, ici, et puis je me suis mis derrière maintenant. Et puis elle parlait à son âme, et puis elle dit que Sarah, à partir d'aujourd'hui, tu vas mourir. Et puis elle pousse son âme là, tu es parti avec Sarah. Vous avez vu la puissance de la parole. J'utilise toujours la parole, c'est une âme forte, la parole. Tu es parti avec Sarah là, et puis on a tué ça pour manger. Et puis, ils m'ont dit que. C'est un enfant. C'est pas quelqu'un qui a mis ça dans la bouche. Et puis, ils m'ont dit que d'envoyer le corps de ma grand-sœur là, pour ça pour manger. Elle s'appelle Maté. Maintenant, on dit qu'il y a un deuxième bébé dans son ventre là. Que si elle accouche, elle n'a qu'à mourir avec le bébé là. Tu as fait quoi après? Tu as gâté qui? Tu peux venir gâter. Ça y est, là. Ça, c'est gâté ma maman. Tu as gâté qui encore? Et mon papa. Tu reconnais que tu es sorcier. Un prophète. Tu veux laisser. Un prophète. C'est ta maman là, tu as gâté. C'est ça? Tu as gâté. Tu as gâté sa vie. Tu veux quoi? Je suis. Un prophète. Tu veux être délivré. Quand ça te prend, ça fait comment? Et toi aussi. Nous sommes là pour un petit dialogue, d'accord? On va aller faire ça déjà. Ok? Bon, on va te prier. Priez pour toi après. Vous trois, vous venez qui veut parler? Je t'écoute. Tu as bien la parler, j'ai rien dit. Elle a parlé. Je t'écoute. Qui t'a donné? C'est ma camarade. Tu es né avec ou c'est ta camarade? C'est ma camarade. Comment t'a donné? Elle m'a donné jeune et sang. Je t'écoute. Ne parle pas, je t'écoute. Faut parler. Elle a fait un rêve. Elle a dit de rentrer dans le roi, sinon elle a mis dans ce seigneur. Je l'ai dit, il ne rentre pas. Il dit, on passe là. Elle dit, on va à l'église. Elle a dit, elle va dire à le prophète que moi, je suis sorcier. Qu'elle m'a mis dans ce seigneur. C'est là, on est parti. Maman, et puis mon père m'a dit que la fille, elle m'a mis dans ce seigneur. Tu es sorcier ou tu n'es pas sorcier? On t'a dit ou même tu es sorcier? Qui t'a dit que tu es sorcier? Toi-même, tu reconnais ou on t'a dit que tu es sorcier? On t'a dit où tu es sorcier? Tu as gâté qui? Et puis qui encore? Et puis qui encore? Et puis qui encore? Ta mémé, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Marie. Tu as gâté quoi, non, mémé? Il est paralysé. Tu as paralysé ta mémé? Comment tu as fait? Et puis, il est comme pour commander sur son bras. Sur son bras? Et puis, après, quand on arrive, on m'a basé sur le lit. Et puis, quand on lâche, on va derrière sa télé. Qui? Quand on lâche. C'est ça. La chienne professionnelle. Oui. Celle-là, elle fait quoi?
Ça gêne de la télé. Hein? Hein? Caca de quoi? Parce que hein? De pourquoi? Ta chie là, c'est pourquoi? Tu peux tomber malade. De pour la rendre malade. Donc quand ta chie, elle est tombée malade. Tu es sorcier. Qui t'a donné? C'est ton élève. Hein? Si, si, c'est toi qui l'as donné. C'est ton patron, c'est ta patronne. Hein? Vous faites ensemble. Vous mangez ensemble. Vous mangez ensemble. Vous mangez bien ensemble. Oui. Vous faites sortir ensemble. Oui. Toi, tu as fait quoi? Hein? Tu as gardé la vie de ton papa. Tu as gardé la vie de qui encore? Qui encore? Et ton grand-père. Il est où? Comment s'appelle ton grand-père? Bernard. Donc, ah, il y a enfant père sorcier. Tu es des sorciers. Quand on fait ça, les gens disent non, on maltraite les enfants. L'enfant dit, regarde, c'est pas moi. T'as déjà tué. Mm-hmm. Comment tu fais pour tuer? Hein? Ah, tu te transformes en hibou. Puis tu fais quoi? Tu rentres dans la maison des gens, puis tu prends bois. Puis tu les tues. Tu as tué combien? 6. Comment tu fais? Comment tu fais? Faut montrer. Comment tu fais pour entrer dans les hommes? Maintenant tu as gâté quoi? Tu chies puis tu mets ici les gens. Tu as mis assis qui est qui? Où il est? Où est le toucher? On va les toucher. Vous venez à lui. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Faut expliquer, tu fais quoi? Tu mets ça comment sur lui, Gaïa, comme ça? Tu mets ça sur lui comment? Hein? Tu prends ça comment? Tu prends ça comment, tu mets sur lui? Faut faire comment tu fais? Vous montrez, va sur lui. Va voir, prévoir. Comment tu fais? Où ça? Faut prendre comme un yoga. Il fait. Vous savez pourquoi? Vous mettez caca là, ça fait quoi? Ça fait quoi? Tu cherches quoi maintenant, caca sur lui? Vous pouvez avoir reçu quoi? Il n'a qu'à sentir, tout n'a qu'à se gâter. Hein? Il va être délivré. C'est toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Il y a plus que ce papier. Quel papier? Quel papier? Quel genre de papier? Il veut voyager, t'as fermé son, sa route. C'est à toi, il demande? Oui. Comment tu t'es arrangé? Il dormait dans sa chambre, dans sa femme. C'est là, il s'est transformé en épervier. Épervier. Il s'est rentré dans sa chambre, il dans sa chambre. Mais c'est transformé dans son placard. Il avait appris le papier. Tu t'envoies ça où? J'ai envoyé ça dans nos camps. Tu dois fermer ça. Oui. Tu n'as pas qui voyage. Il ne va pas voyager. Tu peux ramener.
peux plus. Tu as fait quoi encore? Et toi? Il te lève pas les. Vas-y, t'as levé le doigt, non? T'as levé le doigt, non? Hein? Donc lève-toi. On ne force personne ici. On t'écoute. Mais comment tu fais que l'argent reste pas dans sa main? Pourquoi laisse le poste comme ça? Vous avez un pouvoir mystique en vous, vous avez un pouvoir qui n'est pas lié, vous êtes des enfants, vous rentrez dans la maison des gens pour tuer, vous savez que ce n'est pas une bonne chose, vous n'en parlez même pas à quelqu'un, et pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous êtes prêt à accepter Jésus? Vous m'aimez, ma chérie? Fermez les yeux. Dites,
Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je t'accepte. Je t'accepte. Comme sauveur. Comme sauveur. Et Seigneur. Et Seigneur. Personnel. Personnel. Entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Et fais de moi. Et fais de moi. La personne. La personne. Que tu désires. Que tu désires. Que je sois. Que je sois. Amen. Amen. Maintenant que je prie pour vous. Après, ça, on va aller, pour ceux qui ont des bouteilles d'huile, on va laisser, on va faire le bain d'huile tout à l'heure. On va les libérer demain matin, pour les enfants. Voilà. Le jour où vous allez retourner à la sorcellerie, ça serait très dangereux pour vous. Touchez la tête. C'est l'onction que j'ai, ça va détruire ce qui est base satanique dans leur vie.